Restons à la primature pour parler de cette audience accordée à une délégation de la Direction générale de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM est dans la dynamique de renforcer sa coopération avec le gouvernement du Mali, d'où cette tournée dans les pays de la Confédération des États du Sahel. Nous vous proposons d'écouter Mohamed Abdiker, interrogé par Mamari Kone et Aliou Touré. L'objectif de la mission, c'est de venir d'abord remercier les autorités maliennes pour toutes les facilités que l'OIM a pour travailler ici au profit de la population malienne. Mais également, il est venu ici dans le cadre d'une mission qui va le conduire dans les 3 pays des États de l'Alliance du Sahel. Et étant donné que le Mali assure actuellement la présidence des États de l'Alliance du Sahel, donc il est important de commencer cette visite par le Mali. L'OIM est une organisation qui travaille sur les 3 piliers donc de Nexus, qui est humanitaire, développement, paix. Et donc à ce titre, l'OIM collabore et travaille avec différents ministères. Il a eu une rencontre avec le ministère des Maliens établi à l'extérieur, qui dégage clairement comme priorité l'engagement de la diaspora pour le développement du pays, mais aussi les questions de retour et de réintégration des migrants. Donc, on a eu une réaction très positive de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a encouragé l'OIM à continuer à travailler dans ce sens de co-création avec les différents ministères clés et de s'assurer que les différentes feuilles de route qui ont été mises en place, qu'on travaille dans ce sens. Donc, les réactions du Premier ministre ont été très positives.